Nous avons affaire à un individu pour qui les mots n'ont aucune signification et aucune valeur, sinon une valeur de plaisir quand il les fait sortir de sa bouche. Nous avons affaire à un individu qui a détruit le sens des mots, donc la condition de possibilité de toute discussion, et avec lequel, par conséquent, l'idée même de faire entendre quoi que ce soit, l'idée même du débat, est une pure et simple absurdité. Nous avons affaire à un forcené. Le forcené est retranché dans les institutions de la cinquième, depuis lesquelles il peut faire ce qu'il veut et n'hésitera pas à aller au bout de sa folie. Serions-nous 5 millions dans les rues, il continuerait droit devant lui le regard halluciné. Nous avons affaire à un forcené, et un forcené, ça se déloge. Au minimum, ça se débranche. Il n'y a pas d'autre voie stratégique que le blocage. Il faut bloquer tout, il faut bloquer partout, il faut mettre l'économie à genoux. Que l'économie soit à genoux, d'une certaine manière, le forcené s'en fout. Mais quand l'économie entière est à genoux, c'est le capital qui est à genoux. Si le forcené s'en fout, le capital, lui, ne s'en fout pas. Or, c'est lui qui abarre sur l'État. Paradoxalement, il n'est pas mal placé pour débrancher le forcené. En dépit de ses déclarations de soutien obligées, le MEDEF n'était pas spécialement demandeur de cette réforme, dont les justifications successives, chaotiques et tout également foireuses, traduisent qu'elle n'a pas d'autre intérêt que de permettre au forcené d'affirmer son autorité, et ceci quel qu'en soit le coût. Ce coût, le MEDEF, lui, sera bien placé pour le mesurer quand tout sera à l'arrêt. Il faut donc lui rendre ce coût intolérable. Alors, comme toujours dans les grandes occasions, il décrochera son téléphone et commandera qu'on arrête les conneries. Plus encore, de peur que l'incendie ne se propage hors de contrôle et qu'avec les retraites, on se mette à discuter de toutes les autres choses. Ce pays est recru d'inégalités, d'injustices, de souffrances, de toutes les violences qu'il a subies depuis 30 ans, et singulièrement depuis 2017, de tous les saccages qui lui ont été infligés, saccage du travail, saccage des services publics, saccage des libertés politiques. Il est recru de l'arrogance, du mépris, de la médiocrité et de la bêtise crasse de ses dirigeants. Bref, il est mûr. Je dirais même, il y a point. Car ça fait trop longtemps que ça dure. Les ardoises de l'injustice et de la violence sociale arrivent à échéance. C'est l'heure des comptes. Maintenant, il va falloir payer. Et il va falloir payer pour tout. Les retraites ne sont qu'une occasion de présenter l'addition. Et l'addition est longue comme le bras. Tu nous as trop fait chier, Macron. Puisque c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu nous parles. C'est comme ça que Darmanin nous parle. Alors on va te parler comme ça. Tu nous as trop fait chier. Le service outrageant des riches a fait de toi un bouffon haïssable. Tu t'es assis deux fois sur les circonstances exceptionnelles de ton élection. Tu n'as aucun consentement majoritaire sinon contre toi. Tu n'as aucune légitimité. Tu envisages l'âme claire de dissoudre et de livrer le pouvoir au Rassemblement National. Tu es un danger public. Nous connaissons notre objectif. Te rappeler au Touquet.